Fais là, Pumba. Regardez à droite. Oh. Mais. Ah, mais c'est vrai, c'est. Tu voulais qu'on fasse une. Face commentary. Salut tout le monde, c'est Pegelman et attention. Pumba, aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale, c'est la première fois que je fais ça. Pumba avait déjà fait une face commentary où c'était lui. Qui présentait Battlefield 3, je crois que c'était en version bêta à l'époque. Oui, comme vous l'avez remarqué, je n'ai plus de cheveux, donc je les ai perdus après la Japan Expo, donc pendant le voyage du train. Le train allait tellement vite que je les ai perdus. Je vais poser Pumba sur mon YouTube. Donc mon Yeti, il faut dire que, regardez, c'est quelque chose de super imposant, il est aussi gros que ma tête. Donc je pose Pumba dessus parce que comme ça il nous accompagnera tout au long de cette Pegan vidéo. Parce que j'avais Pegan envie de vous faire cette vidéo avec une Pegan caméra, avec ma nouvelle Pegan caméra qui je trouve, quand je bouge comme ça, il y a un petit carré sur l'écran qui me dit je suis là, je suis là. Donc j'ai mon superbe casque Sharkoon X-Tactic ST Bidule Chouette. Donc Pumba est là, c'est parfait. Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Pas mal de choses, j'ai pas mal de choses à vous dire. Notamment la Pegan Attitude qui se répand sur Twitter assez. C'est assez inquiétant, la Pegan Attitude. Qu'est-ce que la Pegan Attitude? En fait, c'est de mettre un mot après Pegan. Donc là, je dis Pegan manger, Pegan pied, Pegan main, je Pegan joue. Là, donc je vais vous Pegan présenter une Pegan vidéo. Et donc voilà. Alors je vais vous Pegan tester Renegade Ops, un jeu qui est disponible sur Steam. Je vous recommande d'ailleurs d'acheter ce jeu parce qu'il est vraiment pas cher. Et la qualité graphique est vraiment au rendez-vous et on le verra tout à l'heure. C'est un jeu disponible sur PC, Xbox 360 et sauf erreur sur PlayStation 3 pour une poignée d'euros. Donc c'est vraiment abordable. Je me suis procuré le pack 4 pack. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai 4 fois le jeu. Donc j'ai une fois le jeu pour moi et 3 jeux que je peux offrir. Donc j'en ai déjà offert un à une personne sur Twitter.
J'avais fait un petit concours quand je m'étais procuré Renegade Ops. Et je me dis, pourquoi pas faire profiter les deux autres. Donc, pour ça, il faudra rester connecté. Donc, pour les intéressés et pour les gens qui ont envie de découvrir ce jeu, non pas cette vidéo, donc, et aussi de rester connecté, comme je l'ai dit, sur mon compte Twitter, parce que je reste vraiment super actif sur cette plateforme, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire au niveau des contacts humains. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Alors on va commencer par la mission 1. Non, attends. Non. Non mais regardez à l'écran. Regardez le début de mon meilleur score. Alors là, je suis sur le cul. Ça commence par 13-37. Voilà. Quand je disais que ce chiffre, ce nombre me suivait partout... Bah vous avez la preuve à l'écran que 1337, lit en lit speak, me suit partout. Donc, Husky, si tu vois cette vidéo, bah tu as la preuve à l'écran, encore une fois, que ça me suit partout. Ça me perturbe, ça me pecken perturbe. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire d'autre? Donc, plusieurs véhicules, bien entendu. Gros clin d'œil, Half-Life. On peut choisir Gordon Freeman. Si c'est pas beau tout ça. Alors, Renegade Ops, c'est un jeu d'action, tir, édité par Sega, et développé par une poignée de personnes vraiment passionnées par ce qu'ils font, parce que le jeu en vaut la chandelle. C'est un jeu, je dirais, old school. Vous allez voir que graphiquement, le jeu est vraiment pas mal du tout. Il est vraiment super sympa. Donc, pour vous situer grosso modo l'histoire du jeu, c'est vraiment basique de chez basique. Il y a un tyran qui est chauve, donc lui là, monsieur Inferno, il a envie de détruire toutes les villes du monde, et nous on est des valeureux soldats, le Renegade, et on va justement arrêter ce gars qui est totalement malade. Et en plus il s'appelle Inferno, donc dans Inferno il y a des passages secrets. Alors le jeu se présente comme ça hein. Alors, vu du dessus, clavier souris, j'ai toujours Maxi, ma souris Diablo 3, qui est vraiment une très très bonne souris. Je recommande, si les gens ont envie d'investir sur une souris, la Xai est vraiment une souris de malade. Vu du dessus, graphiquement, comme on peut le voir, ça pète. Moteur AVOC, donc moteur physique AVOC, le moteur de Half-Life 2, hein. Donc, ça va péter vraiment de partout. Et comme on peut le voir graphiquement, c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment super super joli. Je verrai ce qu'il donne sur Xbox 360. Donc le but du jeu, c'est de tout détruire. Donc de tout pagan détruire. Alors je vais pas non seulement vous raconter le but du jeu, hein, c'est vraiment tout simple, scénario ultra basique, un gars qui veut foutre le Dawa sur Terre, et nous on est là pour l'arrêter. Système tout simple, hein, on XP au fur et à mesure qu'on joue, on augmente de level au fur et à mesure qu'on tue des méchants, et bien entendu nos armes se mettent au goût du jour. Alors voilà, prisonnier civil, on doit aller sauver les civils, mais je suis pas là pour vous parler de ça. Notamment de la pagan attitude, qui se répand assez étrangement sur Twitter, parce que à chaque fois que je tweete quelque chose, les gens me répondent en pagan attitude, c'est-à-dire qu'ils mettent pagan et après ils mettent leurs mots. Oui, ils mettent leurs mots. Pagan attitude. Donc la petite cinématique. Donc ouais, c'est, disons que c'est une manière de pagan communiquer avec mes pagan abonnés, mes pagan followers. Je voulais non seulement vous parler de la pagan attitude, mais aussi de mes futurs projets, et notamment bien entendu le Let's Play Diablo 3 où ça sort. Régulièrement, parce que c'est des vidéos assez faciles à faire, contrairement à mes épisodes Counter-Strike où j'ai dû faire une petite pause parce que je n'ai plus de serveur dédié.
Donc je vais monter une petite machine que j'ai déjà commencé à monter justement pour me faire un petit serveur dédié sur CS. Et comme ça, justement, bah, j'aurai plus de soucis de ce côté-là. Et je vais pouvoir vous proposer des vidéos sur CS prochainement. Bah, bien entendu, moi je vous invite, si vous êtes nouveau, hein, d'aller revoir ma série Counter-Strike. Donc j'ai sorti 5 épisodes, 5 ou 4 je crois. Le cinquième, c'est la mini frag movie, qui a franchement été super bien accueilli. Où j'avais enregistré des anciennes wars quand je jouais encore à un certain niveau à Counter-Strike, donc il y a très très longtemps. Ça date de 2003-2004. Alors, on a des attaques spéciales hein, dans ce jeu. Donc là, j'ai les fourmilions de Half-Life. Alors là, je vais retourner à l'église parce que j'ai déjà récupéré pas mal d'otages. Alors, hop. Église, la Pagan Église. Hop. Maintenant, on va se diriger vers le Pagan Objectif Rouge. Donc, détruisez les transports de prisonniers. Et récemment, je vais bientôt sortir une vidéo, je dirais, assez différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Parce que pour moi, une chaîne YouTube doit vraiment refléter la personne qui présente les vidéos. Et pour moi, c'est tout à fait ce que j'ai envie de faire. Hein. C'est de me diversifier un maximum pour vous proposer des contenus de plus en plus riches. Et de plus en plus complet, notamment cette vidéo commentée avec la caméra. Donc comme je l'avais dit, Pumba avait déjà testé le concept de la Pumba, de la Pagan Pumba Commentary. Et il faut dire que cette vidéo avait été appréciée et juste d'écouter Pumba tout le long, ça aurait pu être, disons, un peu embêtant, je dirais un peu saoulant pour aller dans les extrêmes. Mais dans la globalité, la Pumba Commentary a franchement été appréciée par la plupart. J'avais pas encore une certaine audience, j'avais une petite audience. Et je me dis, pourquoi pas, cette fois-ci, vous présenter une vidéo sur un jeu original avec ma Pagan tête. Parce que j'avais Pagan envie de vous Pagan présenter cette Pagan vidéo. Ultra Combo! Donc voilà, Ultra Combo de Pagan, Pagan présentation. Alors là, je vais présenter les Pagan. Je vais Pagan sauver les Pagan otages. Même moi, je suis contaminé par ma Pagan attitude. Et ce concept de vidéo, je suis en pleine rédaction pour vous la sortir. Je vais faire des tests carrément en interne. Je vais faire des tests en interne pour voir ce que ça donne. Mais je pense que je vous présenterai parce que je pense que ça vaut le coup. Et je pense que aussi, là ça fait 4 fois que je dis je pense parce que je pense donc je suis. Je crois que cette vidéo risque franchement d'être appréciée par vous qui me suivez. Donc voilà, là je viens de upgrade ma Pagan arm. Je dis Pagan dans toutes les choses, donc ça va pas du tout. Alors là, je continue. Alors là, je vais apporter les Pagan otages. Donc là, je disais, hein, le Pagan concept que j'ai, je suis en pleine rédaction. Et j'espère justement que de faire quelque chose de vraiment bien construit pour vous proposer quelque chose de qualité. Et vraiment pas un truc bâclé. J'aime vraiment pas faire les choses. J'aime vraiment pas faire les choses bâclées. Je prends mon temps quand j'ai une idée en tête de bien le faire. Et le deuxième petit truc, c'est quelque chose qui, je dirais, sort de l'ordinaire. J'ai vraiment envie de le sortir pour voir ce que ça donne. Je sens qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Parce que ça risque d'être franchement rigolo. Je sais pas combien de fois j'ai dit franchement. Donc là, j'ai des Pagan missiles là. Et je Pagan tue les Pagan ennemis. Donc là, il y a des Pagan ennemis qui sont là. Hop, trickshot. Hop, je les ai tués. Donc là, j'ai lancé RPG sur l'infanterie. Si j'étais sur le serveur de H1N1 Virus, je me serais fait bannir. Ou je me serais fait kick, je sais pas. Mais enfin bref, moi je joue pas avec le RPG, je joue que avec les armes.
Je sais pas pourquoi je parle de Battlefield. C'est parce qu'il y a Battlefield 4 qui sortira bientôt. Ça, on sait tous que tous les deux ans, il y a un Battlefield qui sort, mais ils auraient pu peaufiner à fond Battlefield 3 et faire les mises à jour de ce côté-là. Mais bon, ça, c'est toujours un long débat. Un long débat. Peut-être j'en ferai une vidéo. Et pourquoi je me suis... pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo avec une caméra? Parce que je saute vraiment du coq à l'âne. Je suis vraiment malade. Parce que je suis spontané. Je suis quelqu'un de spontané. Et je suis comme ça. C'est la pégonne vie. Hein, donc voilà. Pourquoi j'avais envie de faire une vidéo avec, avec une caméra? Tout d'abord déjà pour tester la qualité de la caméra. Je l'avais déjà testé à la Japan Expo et la qualité était déjà au rendez-vous. Et aussi pourquoi pas vous proposer à l'avenir des vidéos commentées comme ça en live ou peut-être des vidéos débat où je parle directement à la caméra. Ça peut être une idée, pourquoi pas. Et aussi, je viens d'exploser. Je viens de Pagan exploser. Donc là, Pumba, je le repose sur mon Pagan micro. Oula, il reste une minute. Il reste une minute. Oui, donc je voulais vous parler pourquoi faire ça. Parce que je me prépare peut-être à faire des vidéos du genre avec un camarade qui s'appelle Hugo Delure, qui fait des let's play sur les jeux d'horreur. Je vous invite fortement à aller regarder ce qu'il fait, parce que c'est vraiment quelque chose de spontané, parce qu'il fait que des vidéos en live et il filme sa tête. Et on avait l'idée justement de faire peut-être une vidéo ensemble dans ce style là. Et moi je pense que ça risque d'être assez intéressant parce que il est aussi fou que moi ce gamin. Et c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître et il est vraiment totalement Pagan fou et totalement Pagan contaminé. Et là je vais Pagan exploser parce que j'ai presque fini Pagan de vie. Oh mon dieu, je viens de Pagan mourir. Donc je vous parlais de Pagan Hugo Delire. Sa chaîne est sur ma est dans ma subbox. Je vous invite fortement à aller voir ce qu'il fait parce que il fait quelque chose que j'avais pas vu sur YouTube. Des let's play commentés comme ça, c'est vraiment sympathique. Et donc voilà, je te salue mon petit Hugo parce que je sais que tu regarderas cette Pagan vidéo parce que tu es Pagan, quelqu'un de Pagan bien. Alors moi je continue à Pagan parler comme d'habitude. Je vous ai parlé de quoi? De CS, ça c'est fait. Je vous ai parlé de mes futurs projets que je vais instaurer sur ma chaîne. Bien entendu, il y aura toujours mes débats sur les différents jeux. J'ai vraiment du mal. Là, ma Pagan voiture a vraiment, vraiment du mal. Je vais récupérer un peu de vie. Voilà. Donc je vous ai parlé de mes projets futurs, donc mes futurs concepts. Donc les deux concepts que j'ai en tête, un qui est un peu plus sérieux que l'autre, ça il faut le dire. Mais tous les deux seront construits parce qu'ils auront un certain sens. Ça je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir bien entendu. Donc je vais retourner à l'église, je sais pas combien de temps je suis en train de Pagan filmer. Mais je crois que je vais... je viens de Pagan roter, désolé. Donc, je vais encore détruire ce... Non ! Et apparition dans 4 secondes. Alors là, je crois que je suis le seul à faire ça dans ce jeu. Donc voilà. Alors, je vais détruire le dernier tank. Je sais même pas si c'est le dernier. Et après, je crois qu'on va se quitter là parce que je pense que ça fera assez de choses en même temps. Voilà, objectif terminé. Voilà. Ok, bon, j'ai sauvé les otages. Enfin, j'ai sauvé l'église. J'ai sauvé le village, je crois. Ah bah non. Il y a une bombe atomique. Bah, quand je vous disais que Inferno, c'était vraiment un taré. Et donc voilà, je crois qu'on va se quitter là-dessus. J'ai dit pas mal de choses. J'ai dit des choses un peu... J'ai sauté du coq à l'âne, comme d'habitude. Parce que, voilà, j'avais envie de faire cette vidéo. Je suis spontané, je suis quelqu'un comme ça. Et j'espère sincèrement que vous avez apprécié cette... Pagan Face Commentary avec mon ami Pumba. Donc là il y a un hélicoptère parce que j'ai déjà fait cette mission. Je vous ai juste présenté la première mission. Et donc voilà. Donc on va revenir au menu
principal. Qu'est-ce que j'ai d'autre... Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre chose? J'ai bugué. Voilà, prout. Concernant le concours pour gagner Renegade Ops, je vous tiendrai bien entendu au courant sur... je suis en train de gesticuler Pumba. Je vous tiendrai au courant sur Twitter, bien entendu, et sur Facebook. Donc, je ferai, je sais pas, comme je pense... comme les petits concours que j'ai fait pour gagner des DLC sur Prototype, pour aussi gagner Renegade Ops. J'avais fait gagner Renegade Ops une fois, donc il m'en reste encore deux. Donc il reste encore deux potentiels gagnants. Donc voilà, c'était Pagan Man et Pumba. Je vais enlever mon Pagan casque et je vais vous dire au revoir de la plus belle des façons possibles en vous envoyant Pumba. Voilà. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine Pagan vidéo. Allez, ciao tout le monde.